Et oui, nous allons faire une vidéo sur Call of Duty. C'est la toute première vidéo commentée sur cette chaîne sur un tel jeu. Et oui, parce que avant je ne faisais évidemment que du FIFA et du PES. Mais là, évidemment, le problème, pourquoi je joue à ce jeu? Bah, tout simplement parce qu'il est plus fun. Du moins, je le trouve plus fun que FIFA en ce moment. Et c'est une pure vérité. Malheureusement, le jeu de cette année, FIFA 21, m'a tellement fait péter les plombs plus d'une fois que maintenant, bah là, je suis littéralement... limite je prends plus de kiff sur ce genre de jeu, donc sur Call of Duty, avec les jeux FPS. Et donc je n'ai profité durant cette période pour monter bien évidemment des armes, monter les niveaux. Il faut savoir que le jeu je l'ai depuis début décembre et je n'ai pas fait de vidéo en ce début décembre car il y avait plein de choses que je devais m'occuper et j'étais occupé sur d'autres choses. Donc forcément là je me disais aussi tiens, et pourquoi pas faire une petite vidéo alors que j'ai justement quelque chose à débloquer. La vidéo donc aujourd'hui sera consacrée à un déblocage tout simplement de notre premier camouflage diamant sur le zombie, évidemment, parce qu'il y a deux diamants, hein, le diamant multijoueur. Bon, ça évidemment tout le monde sait comment obtenir, merci pour tous ceux pour tous les joueurs de Call of Duty. Et enfin le diamant fluo, pour tous ceux qui ne savent pas comment on récupère le camouflage diamant, c'est très simple, il suffit en fait de déverrouiller tous les camos de chaque arme, donc d'une classe. Et le truc c'est que bah là pour moi je veux débloquer celui du couteau, et pour le corps à corps il n'y a que le couteau. Donc en fait pour éviter de le rendre hyper simple, il associe avec l'arme spéciale qui n'est autre que le M79, et donc il me reste plus grand chose. Donc vous le voyez, bien évidemment j'ai tout débloqué, hein, absolument tout. Il ne me reste juste un seul et unique camo à déverrouiller, et c'est le petit camo conviction. Et il faut encore que je fasse deux insaisissables, et pour ça donc faut faire c'est-à-dire faire 20 éliminations consécutives avec la M79 sans subir le moindre dégât. Et franchement c'est pas, bah voilà, au début c'est pas si évident que ça, mais si vous maîtrisez bien le truc, franchement ça devrait être assez simple. Dès que vous terminez tous les camouflages d'une arme, vous obtenez la vipère d'or ou le camouflage or pour le multi si vous faites les défis multi. Là c'est les défis zombies, donc c'est pas le même truc. Et enfin le voilà, donc le fameux diamant du fléau, donc c'est le diamant version zombie, version un peu plus sombre, voyez, avec le côté plus violet fluo. Bon bref, et ben voilà. Et ensuite c'est le camouflage éternoir, mais là par contre c'est encore plus dur car il va falloir débloquer toutes les classes d'armes, le diamant sur toutes les classes d'armes, ce qui va être évidemment beaucoup plus long. Évidemment vous savez que débloquer le diamant déjà sur déjà c'est faire une classe d'arme entière, et ben tout simplement là ça va être hyper long, hein, pour les autres, parce qu'il faut faire 5 armes, voire plus pour certaines. Il y en a certains, c'est pas trop long, comme le fusil à pompe, ça doit être 2 armes seulement. Donc franchement, voilà. Mais sinon, pour d'autres armes, ça va vraiment être assez long. Alors, il faut savoir aussi que c'est pas la première fois que je record. J'ai essayé de record une première fois, malheureusement, il y a eu un problème avec la connexion à l'extérieur à cause du vent qui était extrêmement violent. Je crois que c'est à cause de ça, parce que là, tout a sauté, tous les plombs ont sauté, et du coup, bah, j'ai perdu, bah oui, la capture originelle. A été perdu tout simplement, et c'est voilà, et j'ai dû redémarrer la console. C'est là que tout a commencé, une intervention. Trouvez-nous des réponses. Faut savoir qu'en fait que moi j'ai tendance à jouer quand même au jeu Call of Duty depuis pas mal d'années. Au début je jouais pas énormément, et maintenant là je joue pas mal depuis de nombreuses années. On sait, sur BO4 je jouais beaucoup. Voilà. Alors évidemment les autodégâts, faut faire attention aux autodégâts, hein. Donc c'est le problème de cette arme là. 13, donc c'est bon. À chaque fois j'ai tendance à compter le nombre d'ennemis. Oh là, on a fait 15 kills, il nous en reste encore 5. En gros un insaisissable c'est 20 éliminations, évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc faut encore en faire 5 sans se faire toucher ou sans faire d'autodégâts. Allez, ça en fait 1. Oh putain, il bug. Ah, il en reste un. Et voilà. Insaisissable numéro 1 terminé. On a 20 kills, donc c'est bon. Voilà, niveau 32. 28 kills et un petit bonus de points. Putain, je les entends, mais tellement bien en fait, parce que j'ai le casque. 4 zombies à éliminer, il en manque 5 à éliminer et on aura ce putain de diamant. Allez, hop. Ouf, oh putain, toi tu fais peur. Et voilà, normalement c'est fait. Normalement c'est fait là.
Allez, force excessive, valide-moi mon putain. Voilà, camouflage diamant, super. Yes, Viper d'or sur le M79. L'expert, super, débloqué. Le conviction débloqué. Donc normalement, voilà, il est là. Donc voilà, nous sommes revenus. Et oui, conviction débloquée. Et donc ça veut dire, regardez que nous avons débloqué le superbe... camouflage diamant. Donc ici, le diamant fluo. Et bien évidemment, ce Viper d'or. Et là-dessus, voilà, donc nous avons débloqué ça. Donc, alors là, je préfère garder celui-là, donc ce camouflage-là pour celui-là. Mais c'est surtout le couteau qui va nous intéresser. Ici, dans cette classe Cut 17, nous allons donc changer le camouflage du couteau immédiatement. Donc, vous voyez, on avait débloqué tout. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à aller récupérer le diamant. Vous voyez, ça ressemble à ça. Alors, il y a des super couteaux donc, qui est ici. Ah, il est magnifique, hein. Il a l'air magnifique. Je vais le tester en partie tout de suite pour voir qu'est-ce que ça donne. Regardez-moi ce couteau. Oh, il est magnifique, ce couteau. Vous l'avez vu? Oh, il est tellement beau. Attendez, je le remets une deuxième fois. Regardez comment il est beau. Oh, il a une beauté sans pareil. C'est une beauté sans pareil. Oh là là. Tiens, prends ça, mon petit. Vous allez tous cutter. Vous allez tous vous faire cutter, mes petits. On va faire de la charcuterie. Il est vraiment beau, hein, ce putain de camouflage. Un petit camouflage sympa. Eh ben, c'est la récompense de pas mal d'efforts. Il ne me reste maintenant plus qu'à le faire sur l'arme que j'utilise en multi, c'est-à-dire la K-74. Évidemment, cette arme-là, ça va mettre un certain temps quand même, parce que quand vous savez que les autres mitraillettes aussi que vous devez faire, ça risque d'être assez long. Voilà, mon petit, ça c'est magnifique. Toi aussi, tu vas en manger. Toi aussi, tu en manges. Oh là là, c'est magnifique. Allez, toi tu viens là, et toi aussi, oh là là, c'est un massacre frénétique. Et toi aussi tu vas manger. Ah mais, et monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher, hein, t'as pas le droit de me toucher. Et un autre, allez mes petits, venez tous là, allez. Qu'est-ce que t'as tenté toi, hein, mon petit? Ouais, non mais, bande d'opportunistes, de toute façon, il n'y a que comme ça que vous pouvez essayer de m'avoir, hein. Oh là là, oh là là. Il a faim ce connard. Eh, hey, oh. Toi, tu vas me le payer, toi. Comment t'as osé, hein? On me touche pas, connard. On ne me touche pas. Bon, voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura récupéré ce couteau diamant. Si vous voulez que je fasse du gameplay sur Cold War, n'hésitez pas à me le faire savoir, bien évidemment, dans la commentaire de ces vidéos. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo pour vous donner vos impressions. Et bien sûr, à la fin, partager pour la fin, diffuser. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.